plaisir d'accompagner le mois dernier en juillet sur place au Québec qui me pose cette question et que je vais partager avec vous et avec vous aussi peut-être réfléchir quant à quelle réponse lui apporter. Donc Denis, que je remercie d'emblée, me dit, vu que mes trois paramètres n'étaient pas stabilisés après 21 jours de pause alimentaire, cela veut-il dire que mon organisme a encore besoin de se détoxiner, point d'interrogation? Car j'en étais à 135 livres ou 61,36 kg et continuais à perdre du poids ou de la masse, poids-masse. Dois-je refaire un autre 21 jours ou plus pour continuer à me détoxiner? Voilà la question de Denis. Alors, j'aurais envie de répondre à Denis, ce que j'avais d'ailleurs déjà commencé à lui répondre par mail en retour direct. C'est que, en termes de détoxination, pourquoi refaire 21 jours? Si c'est simplement détoxiner, déjà évaluer si la détoxination de ce premier 21 jours a été efficace ou pas. Et puis, à l'issue de quoi, si vraiment l'objectif est de détoxiner, et après, question légitime est de se poser pourquoi vouloir détoxiner, au regard de quoi? De quelles difficultés de santé, de quels constats, de quels inconvénients dans son hygiène de vie, dans sa qualité de vie au quotidien, dans son corps, dans sa relation à son corps. Donc, pourquoi vouloir détoxiner, surtout après une grande période comme 21 jours, qui est pas mal quand même. Et donc, dans un premier temps, est-ce que la détoxination a été efficace? Comment évaluer cette détoxination? Eh bien, très simple, d'un point de vue clinique, est-ce que la langue qui était chargée, blanche, d'enduit blanchâtre, du fait de la détoxination et que l'on appelle langue saburale, a retrouvé une couleur rosée, comme d'habitude, comme à peu près chez tout le monde, plus ou moins? Est-ce que les urines qui ont été certainement un minimum foncées, troubles, peut-être malodorantes pendant la pause alimentaire, et surtout s'il n'y a pas eu assez d'hydratation, puisqu'il faut aussi s'hydrater pour diluer le sang, drainer les toxines, permettre aux reins de bien fonctionner et d'avoir des urines les plus claires possibles. Donc, est-ce qu'à l'issue de ces 21 jours, les urines ont été de nouveau claires, inodores? Est-ce que, Denis, tu as eu une autre transpiration exposée au soleil? Est-ce que avant cette pause alimentaire, tu transpirais plus? Tu avais une certaine odeur de transpiration? Est-ce qu'après, tu transpirais moins? Est-ce que tu avais une autre odeur moins perceptible? Ce qui serait intéressant d'évaluer comme critère aussi de détoxination relativement efficace. L'haleine, bien sûr. Est-ce qu'à l'issue de tes 21 jours, tu as eu une haleine moins chargée ou qui plus est avec la langue redevenue rose, en toute logique, l'haleine a dû retrouver une certaine qualité olfactive, on va dire. Est-ce qu'à l'issue, en particulier dans cette troisième semaine de pause alimentaire et surtout à l'issue de cette pause alimentaire, est-ce que tu as retrouvé une certaine forme avant même de retourner à la nourriture en tant que telle? On est bien d'accord. Est-ce que si à l'issue de cette pause alimentaire, tu as fait un lavement, tu as constaté que l'évacuation intestinale était relativement claire aussi, ou est-ce qu'elle était chargée, est-ce qu'elle était réalisée avec surprise au vu de ce qu'il y avait aussi ou pas? Donc il faudrait évaluer tout ça. Le niveau de forme, haleine et langue déchargée, retournée à la normale. Lavement clair, transpiration moindre et moins forte à l'odeur. Et je dirais, vous les Québécois qui côtoyez beaucoup les maringouins, c'est-à-dire les moustiques, est-ce que les moustiques te piquent moins maintenant? Puisque je filme cette vidéo début août, qu'on est encore en saison, saison été. Qu'il reste encore pas mal de moustiques probablement dans vos forêts. Est-ce que tu constates que les moustiques te piquent moins ou est-ce qu'elles te piquent toujours autant? Donc ça peut être aussi un indicateur qui peut avoir sa valeur. Voilà, donc est-ce que ta détoxination a été efficace ou pas? Et
Si tu as continué de perdre du poids, ce qui est logique, surtout si l'état pranique n'a pas été installé, puisque tu le confirmes avec ces trois paramètres qui n'ont pas été présents à l'issue de ces 21 jours, pourquoi te poser la question de est-ce qu'il faut refaire 21 jours? Est-ce que ta démarche, ta motivation, ton objectif est la détoxination, mais dans ce cas-là, pourquoi? Ou est-ce que c'est plutôt l'état pranique? Je rappelle que l'état pranique procède de quatre grandes étapes. Alors bien sûr, il y a trois grandes phases de l'état pranique. De la mise en place de l'état pranique, il y a une préparation essentiellement dévolue à une descente alimentaire, plus bien sûr une préparation mentale, émotionnelle, peut-être spirituelle. Je vous renvoie à la vidéo réalisée sur comment se préparer à un stage prana, si vous le souhaitiez, si vous aviez besoin. Si vous aviez vu ou si vous ne connaissiez pas, peut-être la revoir aussi. Il y a bien sûr à l'issue de cette préparation, il y a cette transition. Comment passer de nourriture solide à nourriture non solide, vibratoire? Eh bien, essentiellement par une pause alimentaire. Et à l'issue de cette pause alimentaire, qui est en soi une transition, eh bien, l'intégration qui nécessite bien sûr un positionnement, une affirmation de soi, le maintien du lien social au sein de l'entourage, de l'environnement qui, lui, n'a pas changé ses habitudes alimentaires et qui est toujours mangeur. Dans cette deuxième phase de la transition, essentiellement car on peut aussi l'élargir un minimum en amont de la transition qui est la préparation, et pourquoi pas après transition avec cette intégration, c'est pas forcément figé avec trois phases immuables, séparées l'une des autres, au contraire, tout est lié. Et donc, dans cette phase d'intégration, il convient de distinguer quatre grandes étapes en vue de l'état pranique, qui est, du fait de la pause alimentaire sur un schéma type de 21 jours, qui est une détoxination sur le plan physique, physiologique, anatomique, corporel, un déconditionnement des schémas mentaux, émotionnels, qui contribue au désalignement, à l'excentrage de soi-même, dans son axe, dans sa verticalité. Le fameux alignement en tant que tel, en troisième paramètre, et en quatrième, une imprégnation spécifique énergétique de manière à réveiller la mémoire pranique au niveau de la cellule, puisque cet état pranique serait installé d'un point de vue cellulaire chez tout le monde. Et donc, j'ai envie de répondre à Denis qu'il ne suffit pas de détoxiner pour être pranique. Il ne suffit pas, quand bien même avoir très très bien, parfaitement détoxiné tout l'organisme pour que ça suffise et être pranique. C'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est un petit peu plus exigeant que ça, et c'est même beaucoup plus subtil que ça, qui sera la conclusion de cette vidéo. Il ne suffit pas non plus de ne pas manger pour basculer dans l'état pranique. Ne pas manger s'apparente à un état de jeûne, à un état de privation de nourriture, à un état éventuellement d'anorexie. Or, la nourriture pranique, qui est une nourriture, puisqu'elle est nourriture pranique, est tout sauf un jeûne et tout sauf un état d'anorexie. Être installé dans l'état pranique, c'est avoir suffisamment activé le circuit général électromagnétique, énergétique du corps, avec la circulation libre énergétique au niveau, un minimum libre énergétique au niveau chakra, au niveau méridien, au niveau des récepteurs et capteurs praniques dont on parle depuis un certain temps. Comment évaluer cela? Eh bien, c'est tout simplement, à mon sens, l'hygiène de vie la plus qualitative au quotidien, l'hygiène de vie physique, mentale, émotionnelle, l'hygiène de vie relationnelle, l'hygiène de vie en termes de l'état d'être, la qualité d'être avec soi-même, en termes de la qualité d'être. Comment chacun se sent avec lui-même, comment chacun se sent dans sa vie, comment chacun se sent dans sa relation
à son entourage, à l'autre au sens large. C'est un état d'esprit, c'est aussi simplement ressentir que quelque chose est là à l'intérieur, circule librement, jour comme nuit, qu'il y a une dimension apportée à cette qualité de perception à la vie, aux éléments, certainement, relations certainement améliorées au sein de ces dynamiques professionnelles, personnelles, amoureuses, familiales et autres. Bien évidemment, ça passe aussi, cette circulation énergétique, par un équilibre acido-basique de l'organisme plus probant, bien sûr corrigé et renforcé par le régime 3V, les fruits et légumes, par les pauses alimentaires, puisque, pour rappel, la maladie se développe sur un terrain acide, la santé se renforce, se développe, s'installe de façon plus durable dans le temps, sur un terrain acido-basique, un meilleur équilibre acido-basique, et en tout cas moins d'acidose. La physiologie énergétique générale va aussi pouvoir s'évaluer indirectement par peut-être une dimension spirituelle, religieuse, déjà présente avant et renforcée après cette transition pause alimentaire et ce relais dans l'état pranique. Car si la pause alimentaire permet la détoxination de l'organisme biologique, il détoxine aussi les cinq sens et active en partie la clairvoyance, la clairaudience, la télépathie, l'intuition, et qui, en harmonisant les schémas mentaux émotionnels, la dynamique mentale émotionnelle, permet aussi, dans cette verticalité, cet alignement, de contacter une transcendance de son quotidien, de sa vie entre guillemets ordinaire, qui est de moins en moins ordinaire et qui va être perçue comme dans une autre dimension et que l'on apparente à l'unité. Puisque moins de mental, donc moins de dualité, veut dire plus d'unité. Et plus d'unité veut dire plus d'harmonie dans cette dynamique aussi globale. Ce qui sous-entend par voie de conséquence que l'état pranique, dans ce meilleur équilibre énergétique, de physiologie énergétique, meilleur équilibre et déploiement, renforcement de la circulation libre énergétique, va traduire aussi, exprimer aussi, d'être moins dans l'infraconscience, c'est-à-dire la conscience inférieure, c'est-à-dire la pseudo-conscience qui est donc le mental, en étant plus autant dans le passé et le futur, en étant au présent. Et qui dit être au présent, dit être dans une autre sérénité, dans une autre quiétude. Le pendant de ce moins d'infraconscience suggère aussi davantage de supraconscience. La supraconscience, c'est la conscience supérieure, c'est-à-dire schématiquement le cerveau droit, plus en harmonie avec le cerveau gauche et plus autant que du cerveau gauche comme auparavant, suggérant davantage de conscience, la conscience étant la perception dont, au travers du écouter, percevoir, ressentir du présent avec soi-même et avec le tout, donc une plus grande harmonie, une plus grande intégration à ce quotidien, une plus grande intégration à cet environnement. Cet état de conscience supérieure suggère par ailleurs d'être moins dans le bruit, la cacophonie du mental, du petit vélo intérieur, du grand bavardeur intérieur, et d'être dans davantage d'alignement, de centrage, d'ancrage, mais aussi de revendiquer, d'être attiré, d'aller plus qu'avant peut-être vers le silence, et en l'occurrence vers la nature, se ressourcer plus facilement à la nature, dans le silence, auprès des quatre éléments, la terre, l'eau, l'air, le feu, plutôt que simplement le béton, la ville, la pollution, une certaine qualité de musique qui peut aussi évoluer, qui sera moins binaire et qui sera plus élévatrice dans ce qui va nourrir aussi les sphères supérieures, les sphères spirituelles, d'une certaine conscience élevée, élévatrice, qui aspire à une autre vibration, une conscience démentalisée, une conscience libérée. Conscience dite supérieure va passer aussi à minima par ce que vous pourrez peut-être constater par vous-même en ayant réalisé ce chemin, d'être dans davantage d'intuition, d'imagination et d'inspiration, et dans moins donc de mentalisation, rationalisation, déduction, logique, calcul, froid.
Enfin, pour Denis et pour toutes les personnes qui seraient concernées par cette interrogation quant au fait de faire ou de refaire un processus de 21 jours pour détoxiner, certes, ou est-ce plutôt pour réveiller et installer l'état pranique? Dans ce cas-là, est-ce qu'il faut véritablement refaire un processus de 21 jours? Je n'en suis pas sûr. Qui plus est, deux choses, qu'au vu de cette énumération de facteurs prédisposant à l'état pranique, la détoxination, le déconditionnement, moins de conscience inférieure, plus de conscience supérieure, plus d'alignement, plus d'activation de cette physiologie énergétique générale, il y a aussi très certainement d'autres paramètres qui conditionnent et prédisposent à l'état pranique que je peux ignorer parce que la machine est suffisamment complexe pour affirmer sans trop se tromper que nous n'avons jamais fait le tour de la question. Qui plus est, cette vidéo récente où je présente Patrice, naturopathe, et qui a réalisé une pause alimentaire de 13 jours et qui décrit les profils endocriniens, que je vous invite à découvrir ou à revoir dans cette vidéo. En l'occurrence, ces profils thyroïdiens, hypophysaires, surrénaliens et pinéaliens, qui laissent à entendre que de ne pas être dans un morphotype et un morphotype psychologique, biologique, pinéalien, rend aussi la quête, la perspective d'un état pranique plus aléatoire. Donc non seulement il y a certainement d'autres paramètres qui échappent à cette énumération de comment être installé dans l'état pranique, mais aussi et surtout, que j'ai déjà présenté, expliqué X fois dans les vidéos, conférences précédentes, quel est l'intérêt de chercher un état pranique quand nous sommes déjà constitutivement pranique, quand nous voulons chercher à l'extérieur et plus tard, à l'issue d'une certaine période qui serait 21 jours, ce qu'il y a déjà ici et maintenant à l'intérieur, en soi et avec soi. Cette constitution pranique qui est la constitution vibratoire quantique sous-tendant la dimension biologique de ce corps. Donc, pourquoi vouloir refaire un processus de 21 jours avec un prétexte à la détoxination, mais qui en réalité ressemble davantage à un non-lâcher-prise sur le fait de vouloir absolument être pranique? Pour moi, ça ressemblerait surtout à ça. Eh bien, Denis et toutes les personnes intéressées par cette présentation résumée de paramètres autour de l'état pranique, très sincèrement, pourquoi vouloir être pranique? Certes, c'est infiniment mieux que d'être non pranique, bien sûr, mais à quoi ça sert d'être pranique si c'est pour ne pas être heureux? À quoi ça sert de focaliser sur cet essentiel paramètre de l'activation du réveil pranique au niveau cellulaire, par activation, par imprégnation, et un petit peu avec la détoxination que l'on souhaite la moins longue possible, pour avoir à être le moins confronté aux inconvénients ou désavantages, aux petits inconforts plus ou moins grands liés à la détoxination, puisque bien des personnes m'appellent pour me demander s'il est possible d'être pranique en 7 jours, par exemple, puisque je propose des stages de 7 jours qui n'ont rien à voir avec une démarche en vue d'un état pranique, et même le stage des 14 jours, puisque je répète que le but de mes stages n'est pas de réveiller l'état pranique, mais de réveiller davantage de conscience, de libérer davantage de conscience, de déployer davantage de conscience. Comment? Par la détoxination, le déconditionnement mental émotionnel, par l'alignement, et accessoirement parlant, par le matériau pranique, dont il est fait une grande confusion à mon sens entre la fin et les moyens. Beaucoup confondent, comme j'ai confondu auparavant, l'utilisation du support du matériau pranique
aux fins d'être plus aligné avec soi, plus présent et donc plus heureux déployé dans sa vie, plutôt qu'utiliser le prana pour être pranique, qui est une illusion. Donc ne pas chercher l'état pranique. Et ce sera ma conclusion, à laquelle je crois fermement, au travers de mon cheminement personnel, qui n'est que mon cheminement. Je vous invite et je vous renvoie à vos propres expériences, bien sûr, pour vérifier, valider ou pour confirmer ou infirmer mes propos. Mais si tant est qu'il faille rechercher un état pranique, la meilleure façon de le rechercher est de ne pas le rechercher et uniquement de cultiver l'alignement et le déploiement de la conscience au présent. Infiniment merci Denis pour cette révision sur l'état pranique, les paramètres, les conditions et l'illusion, la grande illusion de cette quête que constitue le vouloir être pranique. Merci à vous pour votre écoute et à très bientôt. Au revoir.